Bon match. Merci. Bon match. Haruna Doula, le maillon fort des MENA locaux. Un entraîneur pétri d'expérience. À 55 ans, il profite de son second séjour dans la ville de Douala. Avant Gabon 2012, l'équipe nationale a eu à séjourner ici, dans cette ville, pour sa préparation en vue de cette CAN. Je crois qu'on a séjourné 10 à 14 jours à Bonaberry. Le coach Doula a qualifié le Niger pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Un an plus tôt, il a conduit son pays au Chan avec en prime un quart de finale. En 2021, il espère mieux. Chercher déjà à sortir de cette poule, éventuellement jouer un quart de finale, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la compétition. Je pense qu'on a un groupe qui a ses possibilités. Maintenant, il faudrait trouver les mots pour les motiver. Après les premières rencontres de ce sixième championnat d'Afrique des Nations, l'intensité est au rendez-vous. Nous avons joué un pré-champ déjà, et déjà dans le pré-champ, on a senti que le niveau était assez élevé. Il y avait assez d'intensité dans ces matchs, et ça s'est avéré sur les matchs que j'ai de la première journée de ce champ. Et il faut espérer que le niveau se relève davantage, parce que là, toutes les équipes vont jouer leur batou pour sortir de ces poules. Haruna Doula, élu entraîneur africain en 2011 par la Confédération africaine de football. C'est un titre personnel que j'ai vu. J'aimerais bien offrir un titre à mon pays. Et parce que tout entraîneur, c'est, je crois qu'aujourd'hui, on doit dépasser les stades de qualification. Quand on est à une compétition, c'est être capable de la jouer jusqu'au bout. Le coach des MENA rêve de quitter le Cameroun la tête haute et le trophée du Chan rangé dans le coffre.